Merci Hachem, je m'avigis Shatano, Merci Hachem qui nous réunit une fois par chaque semaine. Merci Hachem. Un accord à la Shulchan. Merci Hachem pour tout, pour la table, l'électricité, la Mazgan, l'air conditionné. Merci Hachem. Merci Hachem pour tout. Bon, Hachem. Ce soir, on va voir Bezrat Hashem des choses, je l'espère, incroyables. Avant toute chose, dans cette période-là qu'on est en train de vivre, je suis quasiment jour et nuit occupé à une seule chose. Je vais réexpliquer pour ceux qui sont avec nous maintenant ou ceux qui viennent peut-être d'arriver, de débarquer, quelle est cette grande chose que le Rav s'occupe actuellement. Et je vous pose la question à tout le monde, sans exception, tout le monde. Disons maintenant que tout le peuple d'Israël, dans tout le monde entier, étudie tous la Torah. Alors qu'est-ce que vous en dites? Alors ça y est, il faut que Mashiach se dévoile. Si tout le monde étudie la Torah, il faut que Mashiach se dévoile. C'est suffisant, ça y est. Je vous dis que le Mashiach ne viendra pas, même si tout le monde étudiait. Dans tout le monde entier, tout le peuple d'Israël réuni. Et disons même que tout le peuple d'Israël, dans tout le monde entier, ils sont très méticuleux dans l'accomplissement de tous les commandements. Vraiment, ils font très attention. Et ils donnent aussi, chacun, il fait attention à donner sa dîme, sa partie de ses 10% de 10, entre 10 et 20% selon les avis, de ses revenus à la Tzedaka. Aussi, maman, et que tout le monde fasse énormément de choses incroyables et des actions. Je vous dirais que le Mashiach ne se dévoilerait toujours pas. Pourtant, pour autant. Pourquoi? Parce que le Talmud nous raconte que à l'époque de la destruction du temple, le peuple d'Israël, au moment où il y a la destruction du temple, pas simplement qu'ils étudiaient, ils s'efforçaient, ils s'épuisaient dans l'étude de la Torah. Ils se donnaient toute leur force. Tout le peuple donnait tout pour la Torah. Et ils étaient très, très méticuleux dans l'accomplissement de chaque détail des mitzvot, des commandements de Hashem. Ils faisaient très attention à donner leur maasrot, les 10% des revenus, entre 10 et 20%. Et ils ne pratiquaient pas, grâce à Dieu, ils n'avaient pas à leur actif les pires des transgressions qui puissent exister. Malgré tout cela, c'est écrit dans le Talmud qu'ils se sont détestés les uns les autres d'une haine gratuite. Quelle est la raison de la destruction du Beth Amikdash, du temple? Ils s'efforçaient, ils étudiaient la Torah avec force. Il y avait tout le bien était là-bas. Ils faisaient tout parfaitement bien. Mais la faute qui a entraîné la destruction du temple, c'est cette faute qui s'appelle la haine gratuite. Mais... À cause de ça, donc, a été détruit le Beth Amikdash, le temple. Le peuple d'Israël est sorti de suite à cela en exil. Jusqu'à aujourd'hui. Et toute la Shoah qu'on a vécue, toutes les époques difficiles que le peuple juif a subies. Toutes les souffrances que le peuple d'Israël il a vécues. Et ce qui s'est passé là récemment à Méron. Etc. Toutes ces choses-là.
C'est à cause de la faute de la haine gratuite. Donc si la faute originelle qui a provoqué tout ça, c'est la haine gratuite, ça ne va pas servir d'étudier la Torah et de faire toutes les mitzvot, ça va pas... Puisque si c'est ça la faute... Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut maintenant de l'amour gratuit pour contrebalancer. C'est la seule chose qui peut maintenant entraîner la délivrance. Moi, à Lag BaOmer, j'ai pris sur moi cette chose que je vais vous raconter. C'est pourquoi ça fait que 26 jours que j'ai fait tchouva. Ça fait que 26 jours. Maman. Pourquoi? Qui ad az az חשבתי צריכים ללמוד תורה ולהתפלל ולעשות 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 que jusqu'à ce moment-là je pensais qu'il fallait étudier la Torah, que c'était ça l'essentiel, que oui il faut étudier les mitzvot et faire encore et encore. וגם אהבת ישראל. Et aussi rajouter dans le package אהבת ישראל. גם מצווה כזאת. Il y a aussi une des mitzvot qui compose toutes les coups de commandement qui s'appelle l'amour d'Israël du prochain. אהבת ישראל et tous les commandements qui concernent la maison prochain. Alors j'ai compris que les mitzvot, les commandements qu'il y a entre l'homme et son prochain, et l'amour d'Israël, c'est ça le but, c'est ça le fondement et la raison principale. C'est le but de l'étude de la Torah. Et toute l'étude de la Torah, elle doit être faite de manière à ce que la Torah est un moyen pour moi d'arriver au but. C'est aussi le but de ce monde, donc l'amour gratuit. Et c'est aussi le but de l'homme. C'est pourquoi depuis 26 jours, je dis que j'ai fait tchouva, parce qu'avant ça, je vivais dans l'erreur. Je pensais... Je pensais qu'il y avait aussi, ça faisait partie, il y avait aussi un commandement important, mais c'était aussi un des commandements, c'était aussi la Avat Israël, l'amour du prochain, il y avait aussi cette chose-là qui existait et qu'il fallait le faire, évidemment. Mais j'étais dans l'erreur. Parce que c'est le but. Et la Torah et les mitzvot et les commandements sont des ustensiles, des moyens qui nous permettent d'arriver à ce but. Alors c'est quoi maintenant l'amour gratuit? Un homme maintenant, il doit investir une demi-heure de son temps. Et il prie que pour le peuple d'Israël. Qui fasse ses chouva. On prie pas pour que Mashiach vienne. On prie pas pour qu'il y ait la Géoula. On prie pas pour personne en particulier. Pour aucun prénom de quelqu'un en particulier. On prie juste pour que le peuple d'Israël fasse ses chouva. Que tout le monde sache que le but de notre venue sur cette terre, de tout ce qu'on fait, c'est les relations entre l'homme et son prochain et l'amour du prochain, l'amour d'Israël. Du peuple d'Israël. J'ai étudié l'Likoutei Moran. Là-bas, c'est écrit que sache que l'essentiel de l'exil ne provient que parce qu'il y a un manque
des mounas de foi. Alors je me suis posé la question, je me suis demandé, alors quoi, Rabbi Nachman de Breslev, il n'était pas au courant? Rabbi Nachman de Breslev, il nous dit que l'essentiel de l'exil dans lequel on est, il provient à cause d'un manque d'émouna. Je me suis posé la question, nous dit le Rav, alors quoi, Rabbi Nachman de Breslev, il n'est pas au courant de cette Gemara qui nous dit que l'essentiel de l'exil provient parce qu'il y a la haine gratuite? Pourquoi il nous parle d'un manque d'émouna? Alors j'ai compris. Pour qu'un homme il n'ait pas d'haine gratuite, il faut qu'il ait une foi parfaite. Parce qu'un homme qui a la foi, il a automatiquement tous les bons traits de caractère qui et il est éloigné de tous les mauvais traits de caractère. Il est loin de la jalousie, de la haine, de la compétition, concurrence. De tous les mauvais traits de caractère, il en est éloigné. C'est vrai que maintenant, la haine, c'est la faute qui a entraîné la destruction du Beth Amikdash, du Temple. C'est pour ça que c'est uniquement quand un homme il se met à étudier la Torah, à pratiquer les mitzvot, pour vivre la Emouna, pour arriver à ça, que là ça sert, que là il y a une utilité, comme on a toujours expliqué, que c'est le but, c'est la Emouna. Comme on a déjà précisé, tous les livres que le Rav a écrit, Baruch Hashem. Un homme qui comprend que l'essentiel, c'est l'amour du prochain. Il ne va pas dire maintenant, hein, j'ai pas le temps pour ça. Pourquoi? Parce que c'est l'essentiel, c'est le but. C'est l'amour du prochain. C'est ça l'objectif principal à atteindre. Si tu aimes vraiment le peuple d'Israël, alors ça doit être pour toi la chose la plus importante qui soit dans le monde. Tu dois libérer du temps, au moins une demi-heure par jour, pour ça, pour cette occupation. Alors ça s'appelle maintenant l'amour du prochain avec Messirut Nefesh, avec sacrifice de soi, avec don de soi, qui s'appelle en réalité l'amour gratuit, quand tu fais cette chose-là de consacrer cette demi-heure pour le peuple d'Israël. J'ai reçu un SMS le nom d'une femme qui a pris sur elle de faire cette demi-heure pour l'homme Israël. J'étais content, j'ai pris son nom, j'ai pris sur une feuille, j'ai noté son nom. J'ai dit, Hachem, regarde, il y a encore une demi-heure par jour, de plus par jour, de quelqu'un qui prie pour que le peuple d'Israël fasse ses choix. Alors, souvenez-vous. Rappelez-vous bien que l'origine de la faute qui a entraîné cet exil aussi long, c'est la haine gratuite. Et la chose que tu peux accomplir pour rapprocher la délivrance, c'est l'amour gratuit. C'est pourquoi chaque personne qui accomplit cette demi-heure-là de prière, il a maintenant, lui, il accomplit le fait d'avoir l'amour gratuit. Et lui, d'ores et déjà, ne fait pas partie de ceux qui ralentissent la délivrance, qui empêchent la délivrance de se dérévéler. C'est pourquoi je veux des noms. Mais beaucoup, beaucoup de noms. Beaucoup, beaucoup de noms. Et c'est le moment de vraiment vous redire, de diffuser. J'aime bien Fitsu, vous devez diffuser. Vraiment, il faut que chacun il se solidarise à cette opération, qu'on fasse tous un seul homme, un seul cœur, Ishechad, Belevechad, Shekulano. Que tout le monde se ligue pour diffuser et cette campagne que le Rav il est en train de lancer, et que chacun s'y associe, et qu'on aille très loin dans toutes les langues, dans tous les milieux, dans tous les réseaux, dans tous les... C'est l'occasion à chacun d'avoir une part dans la Géoula, d'avoir une part dans l'amour gratuit. Kamouvan.
Bezrat Hashem. Donc envoyez-nous vos noms. Et le Rav, Arav Amar, la semaine dernière, de faire. Il voulait même les oreilles. Arav Otsa Adain et ta shout. Mat Hashem aussi, mais ta. Le Tsar. Là, ce qu'on veut, l'objectif, il faut qu'il y ait encore 1000 de plus, c'est encore 1000 de plus, c'est encore 1000 de plus, qui s'associe à cette action, véritablement, pour pouvoir participer et amener la Géoula de manière concrète, en développant sur soi et sur les autres l'amour gratuit. Et il ne faut pas s'imaginer que c'est quand tout le peuple d'Israël va se mettre à faire ça, que alors le Mashiach va venir. C'est écrit dans le Zohar à Kadosh. Ne serait-ce que s'il y a un groupe, un petit groupe, ça suffit. On ne sait pas combien de personnes Hachem il veut vraiment dans cette opération. C'est pour ça qu'on veut le maximum. Et que chacun maintenant, il s'associe, il prenne le relais et qu'il prenne ça à cœur, que chacun qui est touché par ça vraiment diffuser, et pas diffuser une fois ou deux, diffuser tous les jours, faites des audios sur ça, faites des panneaux sur ça, faites des phrases sur ça, diffuser chacun qui utilise toute sa force pour pouvoir le diffuser, faire le relais et nous envoyer les noms. Voilà, on a par WhatsApp, sur le site internet, sur les réseaux sociaux, sur nos pages et les pages respectives du Rav, envoyez-nous vos noms, inscrivez-vous, participez et faites en sorte qu'on puisse réjouir le Rav et qu'on puisse réjouir Akadosh Baruch Hu. Oh Hachem. C'est moi. Envoyez des noms. Alors, en régie, Rabbi Ilan, est-ce qu'on a des noms qui arrivent? Bezrat Hashem. Alors, on a la régie qui est là. Envoyez-nous vos noms. Bezrat Hashem. D'ici la fin du live, envoyez-nous qu'on puisse les donner au Rav, qu'on puisse les transmettre. Bezrat Hashem. Oh Hachem. Alors. Une question, moi, que je voudrais. Chacun doit prier chaque jour, une demi-heure, et demander à Hachem, maître du monde, fait que tout le Ham Israël, il mérite d'avoir la délivrance totale. Qu'il fasse tous une teshuvah complète, sans souffrance. Qu'ils aient tous le mérite d'avoir une foi parfaite. Que tout le monde ait le mérite d'étudier les livres que le Rav a écrits, qui parlent que des mounas. Les étudier, les comprendre, les intégrer, les vivre et les diffuser. Cinq choses. Khamshat Varim, Mashallah Omar. Cinq choses pour chaque. De prier pour ça. Et de détailler, de les faire à l'école, c'est faire, mais c'est faire. Affilons. Et celui qui connaît les livres, même que le Rav il a écrit, peut détailler que tout l'homme Israël soit tous saints et purs et que tous les amis du jardin de la pureté, qu'ils l'étudient, qu'ils le comprennent, qu'ils l'intègrent, qu'ils le vivent et qu'ils le diffusent. Ainsi de suite que les femmes, elles lisent tous pour la question de la question féminine. Les cinq points que le Rav a donné, pour chaque ceux qui peuvent détailler, une hématov. Non, c'est ok. Bon, moi c'est un minchela que je me pose par rapport à ce que vous avez dit, Rav, par rapport à l'étude de la Torah. Rav Amar, les Gabalimut Torah, Shazem Tsaï, la guerre, les Avatrinam. Moi, une question que je me pose, c'est puisque Rav il a dit que grâce à l'étude de la Torah, on peut arriver justement à cet amour gratuit. Question comme ça pratique, en quoi le fait d'étudier par exemple des cas très techniques ou des cas très compliqués dans le Talmud, ça va m'aider à arriver à ça? Azrav, ma betsem, stam shela pshuta, kshachav ani lomed gmara, bonagit sugya, kasha, le gaba shor, le gaba. Erze meviotil les avatrinam. Erani, j'ai l'omet varim kaele, le kartotam kem tsaï la gya la tarkitaze. Kli chora, j'ai l'omet de zanilo. Erze mevimu la Torah, j'm kadesh ta vida ben adam. L'étude même de la Torah sanctifie l'homme, purifie l'homme. Kiyum amitvot. Et l'accomplissement des mitzvot. Alors oui, ma shaketishan ou mitzvotam. On dit que Hachem il nous a sanctifiés par ses commandements. Donc ça sanctifie l'homme. Ça nous sanctifie l'homme.
Si un homme il sait que le but c'est la Emouna, et qu'il fait tout, tout ce qu'il fait, c'est son but c'est d'atteindre la Emouna, que ce soit dans l'étude, dans les mitzvot. Alors ça le rapproche, ses actions le rapprochent pour arriver à l'amour du prochain, gratuit, etc. Alors, question que j'ai reçue de quelqu'un qui a étudié justement le genre de la richesse, et que là-bas le Rav il explique qu'il ne faut pas faire de dette, et que c'est quelqu'un aujourd'hui que c'est une famille qui est endettée, et donc la personne me voudrait savoir en fait si là maintenant ils doivent déménager, ils ont lancé leur prêt à vie, et le problème c'est que maintenant pour arriver dans le prochain appartement, eh ben ils vont devoir emprunter. Alors est-ce que le Rav, bien qu'ils savent qu'il faudrait pas, mais là c'est une situation un peu extrême, est-ce que malgré tout ils empruntent pour prendre un nouvel appartement, ou est-ce que non, ils ont confiance en HM, et tant pis, là ils iront chez la belle famille en attendant. Az Michou Shoel, Michou Shekara, bon, Hachem est ta Sefer Gana Osher, Fosharaf Kotev chez Asso Lod Bechovot, ou Batsmo Arshav Adain Nimsa Matsav Shou Bechovot, Aval Ouivin, Kilou Arshav et Achongot Shela Inyan, ou Menase Aval Karega, יש להם בעיות רציניים בחובות, יש להם הרבה חובות. עכשיו הוא צריך לעבור דירה, ואפילו מה שהם עשו, הם נתנו את המכתב, מכתב פתאום לדירה, הם חייבים לצאת מהדירה, הם עשו את זה כמו ביטחון, אבל למעשה הם מצאו דירה, אבל עכשיו כדי להגיע לדירה חדשה, הוא צריך לקחת עוד הלוואה. אז הוא שואל, האם לקחת את הלוואה הזאת, וכדי להמשיך, או לא לקחת, וזהו, איך שזה יהיה, להאמין בשם, בינתיים יראו, ילך לחמותו, לא, את כל ההלוואה שלוקחים של דירה, זה כמו משכנתה. זה כמו משכנתה, זה בשכירות, זה רק לשכירות, זה רק כדי להיכנס, לשלם את המתווך, זה רק, עכשיו אין להם כאילו, אפילו את החודש הראשון להתחיל לזה, והם חייבים לקחת גמ"ח, כי שיהיה להם את ההתחלה. יש להם ארבע ילדים, אני חושב. אם יש לו הכנסה חודשית טובה, שהוא יודע שהוא יכול לעמוד בחוב הזה, אז למה לא? אם לא, לא. ואז הוא אומר שהפתרון יהיה שהוא ילך למשפחה. הם חייבים לצאת מהדירה. אז זה השם שהם מברכים אותם. אם יש לו הכנסה חודשית טובה. Si vous avez maintenant une bonne, un bon salaire mensuel qui vous permet de rembourser ses dettes. Alors oui, mais si maintenant vous n'avez pas de quoi rembourser ses dettes, alors non. Moi, mal, il est rentré là chez la pince à chelo. Ou caché. Alors, bon, alors, Laura, vous bénit que vous attachez, voilà. Et donc voilà, donc c'est Shimon. Arabe, c'est Shimon Ben Fortuné. וזה שרה בת ביה נעמי. סימן, תודה. שרה בת ביה נעמי. ביה נעמי, שלם שמחה ואמונה, בהצלחה. כשם מדברים על השואה, לפועה, לרשית. שרה בזיבוג. אמן, כזה לרשית דמות חוקוק. שרה בחיים. לרשית דמות חווי. בעזרת השם. Alors, autre question, בעזרת השם. Une personne qui me dit que dans sa famille, il y a un des proches de la famille qui a un problème psychiatrique et que c'est un problème assez lourd, qui a de lourdes conséquences pour la famille et qui demande est-ce que peut-être on a l'impression qu'on a jeté un sort à cette personne, qu'elle est peut-être, c'est un coup de sorcellerie ou un coup de mauvais œil, on ne sait pas quoi faire, on ne sait plus quoi faire. Qu'est-ce que le Rav nous conseille? On est prêt à tout faire? Est-ce qu'il y a un tikkun à faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Az Mishou Shomer chez Ba Mishpacha Shelo, Yesh Echad Ma Krove Mishpacha Shelo, Baya Psychiatrite, Retsinit, Veze Midarder, Veze Mama Shamatsav, Kilou, Mishpacha Abba, Vekona. Veze Mama Shkaché. Azem Shoalim, Ma Kore, Ola Yesh Asulo Kishouf, Ola Yasulo Ainara, והם שואלים באמת, הם בחוסר אונים עכשיו, מה לעשות? הם התפללו הרבה, ils ont fait plusieurs, הם עשו ששות כמה פעמים, הלכו לקברי צדיקים, ומה לא עשו כדי לעזור את הקרוב המשפחה הזה. וממש עכשיו אומרים, מה הרב אומר לעשות? איזה, אם יש תיקון אולי, או איזה, הם לא מבינים מה קורה. הם מרגישים שכל מה שהם עושים לא עוזר את המצב הזה.
Maintenant que vous fassiez que des remerciements. Et d'accepter ses souffrances avec amour. Minimum, vous faites un quart d'heure avec le Teilim, comme moi, il m'a Teilim Kouf. Et vous faites le Mizmor Letoda 8 fois par jour. Et vraiment de faire dans le. Azamosim et Tatoda, dommage, Kem Tsaï, la gueule à. Les avages, les kabbalettes, les avages, c'est un matzavazé. C'est ma chère avancée. Donc, a priori, Godin, Mazem, et Tatoda, que dès la guerre à Matara, c'est les kabbalettes, ils sont même bavards, ou ils disaient, qui disaient, maman, chère, moi, ils disaient, merde, que chère, chave, qui vous est. Ah, vous, j'ai la guerre de Mouna, ça compte tout. Ah, bah, on va vous donner, moi, je sais, alors là, maintenant, vous faites les remerciements vraiment dans le but d'arriver à une foi parfaite. Donc, il faut vraiment faire ces remerciements dans le but d'arriver à cette foi parfaite, que tout est pour le bien, qu'Hachem, il nous aime, et d'utiliser le remerciement de cette manière pour arriver à cette foi-là, parce que le Rav nous dit que sans cette foi-là, ça marche pas. Il n'y a pas de solution pour arriver à nos fins. Grâce d'Hachem. Az Toda Rabba. Ken. Elle vient d'être posée. Alors, Bezrat Hashem, quelqu'un nous demande question à Avat Israël, Yemsirut Nefesh. Bonsoir Rav. J'aimerais prier pour le peuple d'Israël, mais je sais que prier 5 minutes à mon niveau, c'est déjà une Yemsirut Nefesh. Est-ce que ça vaut quand même le coup de prendre sur moi ces 5 minutes par jour, ou est-ce qu'il faut impérativement faire les 30 minutes? Azerev Tok Vodarav, Ani Yodea, Ani Rotse. להתפלל על עם ישראל, אבל אני יודע מעצמי שכבר חמש דקות בדרגה שלי, זה כבר מסירות נפש, אם אני לוקח עצמי, האם זה משתלם לקחת חמש דקות כל יום, או צריך חייב חצי שעה? עוד פעם, כשאדם את החמש דקות שהוא עשה, יעשה עוד שש פעמים, אז זה לא חצי שעה. אלא, לסמי את כבופת, continuez à faire 5 minutes, mais faites-le 6 fois. 6 fois 5 minutes. Ah, bébé, qui nous y a la saute, Khamesh Pov et Khamesh Pov qui nous les collecte à. Oh la soupe, vous faites ce que vous pouvez, si vous pouvez, vous pouvez éparpiller vos 5 minutes. 5 minutes le matin, 5 minutes avant de manger, 5 minutes après, comme un traitement. D'accord? Faites vos 5 minutes jusqu'à ce que vous ayez 30 minutes. C'est aussi une possibilité. C'est pas obligé que ce soit. Ça peut se faire soit d'affilée, soit compartimenté. Donc là, vous continuez à faire ces 5 minutes, mais 6 fois par jour. Super et ça. Toda Rabba, Gvadarav. Question. Erev Tov Rav, merci pour tout. Quelle est la différence entre le tzadik et Sodolam, le juste pilier du monde, le tzadik à Emet, le juste authentique, et le manigador et le dirigeant de génération? Et de qui devons-nous prier de nous rapprocher? Az Godarav ma ahevdel ben atzadik yisodolam ben atzadik emet ben amaniga ador velemi anachnu tzrichim itpalel litkarev. C'est une question profonde. Amok. C'est la amuka. צדיק יסוד העולם וצדיק האמת זה דבר אחד. Le צדיק יסוד העולם, fondement de ce monde, et le צדיק de vérité, צדיק authentique, c'est une seule et même chose. זה כמה, זה משה רבנו ועוד כמה, עדים. C'est uniquement Moshe Rabbeinu et que quelques personnes exclusives, des gens, enfin c'est très rare. Mais il y a le dirigeant authentique qui lui enseigne au peuple d'Israël le chemin qu'il a reçu du tzadik authentique. צריך לפרט, כי צריך להיות... צריך להגיד מרקש ברור שעם ישראל יזכו ללמוד את הספרים
שאדוננו רבי נחמן בן יוסף, תלמידו רבי נתן. Il faut prier pour que le peuple d'Israël ait le mérite d'étudier les livres qui ont été écrits par Rabbi Nachman de Breslev et son élève Rabbi Nathan. Et aussi que tout le monde étudie. Et aussi, il faut prier pour que tout le monde étudie les livres qui ont été écrits par les élèves authentiques de Rabbi Nachman dans la génération. Hachem, il sait. Hachem, il sait de qui on parle, de quoi on parle, que tout le monde les étudie. Tout le monde les étudie, que les, tout le monde les comprenne. Et que les intègre. Et les accomplisse, les vivent. Priez pour que tout le peuple d'Israël il ait le mérite de ça. Toda Rabba. Alors, question sur la Avat Israël, M. Rotnefesh. Erev Tov, Kvod Harav, si pour moi, ma Messirut Nefesh est de sacrifier mes 30 minutes de demande personnelle dans mon ordi de Bodedout pour les consacrer à la Teshuvah d'Am Israël, est-ce que c'est valable? Michou Shoel, Haim, a Messirut Nefesh Sheli, Ze Limsor, et a Shretisha, Shela Bakashot, Ishiot, Bashaït Bodedout Sheli, Kede la Sot Messirut Nefesh, la Teshuvah d'Am Israël, Haim, Ze Oved. Un homme, il doit avoir son heure à lui. Parce qu'un homme, il doit faire tshuva pour lui-même. Et ça, c'est l'heure de tshuva qu'il fait tous les jours. Pourquoi j'appelle ça maintenant l'amour du prochain avec don de soi, sacrifice de soi? Parce que c'est en dehors de l'heure. C'est, si c'est à l'intérieur de l'heure, que de toute façon l'homme il fait son ordi de Bodedout, il l'a fait. C'est pas visible que c'est de l'amour d'Israël vraiment, de l'amour gratuit. Ça s'appelle pas de l'amour gratuit. Alors, bonjour Rav, pouvez-vous nous expliquer... Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir Rav, bonsoir Rav, c'est écrit bonsoir. Bonsoir Rav. Pouvez-vous nous expliquer concrètement ce que ça veut dire être attaché à un tzaddik et comment être réellement attaché à lui? Et aussi comment ça se fait que l'on n'entend pas parler de cette notion dans le monde orthodoxe, on va dire classique? Merci pour tout. ואיך באמת להיות מחובר איתו, וגם איך יכול להיות שלא כל כך שומעים את הנקודה הזאת בעולם הליטאי, כאילו עולם... תודה רבה, חבל הכל. מרסי, פורטו. אז הבנו הקדוש, בן נחמן ברסלב, שאנו יודעים שהוא הצדיק האמת עד שיבוא משיח. Rabbi Nachman de Breslev, qu'on sait que c'est le tzaddik authentique jusqu'à ce que se dévoile le Mashiach. Il nous a donné l'ordre de faire tous les jours l'heure d'Id Bodedout. Et il nous oblige tous les jours à étudier le Shulchan Aruch, le code de loi du peuple juif. Et il faut étudier ses livres. Et aussi connaître la connaissance, l'enseignement qu'il nous enseigne. Et aussi essayer de vivre et d'intégrer chaque parole qu'il nous a enseignée. Chaz Hashem. Ok. Lama nekuda zot kilo chelak hasheni shel ha nekuda shelo kol kach shomim ota ba'olam yoter ragil kilo dati ragil. למה זה נקודה הזאת לא כל כך שומעים אותה כאילו במגזרים הרגילים? אנחנו צריכים, על מה אני צועק עכשיו בתקופה הזאת? סוכה שקחי סור סט פריוד, סור לפריוד אקטואלית. על הבת, סור נפש. סור למור דיסחל, אבק סקריפיס דה סואר. זה נקרא את הבת הינם. זה ספל למור גרטוי. אנחנו צריכים פלא, אף אחד לא השם של החוקים. Personne n'est coupable d'être éloigné.
Personne ne sait que le but, c'est entre l'homme et son prochain, que ça se passe. Que le but, c'est l'amour du prochain. Personne ne sait que le but, c'est la foi, la émouna. Alors on prie que tout le monde se rapproche des écrits qui ont été faits par Rabbi Nachman de Breslev et que tout le monde les connaisse, les accomplisse. Personne n'est coupable de ne pas avoir eu vent, connaissance de... Les gens ne savent pas. Même si les gens étudient à la yeshiva, ils ne sont pas forcément au courant. C'est pour ça qu'on prie maintenant, c'est ça, cette demi-heure qu'on prie pour Am Israël. Vous pensez qu'on prie maintenant véritablement pour ceux qui sont entre guillemets laïcs, pour qu'ils fassent teshuva? Ça, c'est une chose qui va être très facile, c'est très simple au final. Je vous ai ramené une Gemara, un passage du Talmud qui vous dit que qu'ils étudiaient la Torah, qu'on parle de gens qui étudient la Torah. Ils étudient la Torah, ils font des mitzvot, ils font tout, mais ils ont encore de la haine gratuite en eux. On parle de cette partie-là, de gens qui sont connectés à la Torah. C'est précisément, je demande au Rav, c'est précisément ceux qui sont connectés à la Torah pour lesquels on prie, il a dit oui. C'est à eux qu'on, c'est eux qu'on vise. Et on prie pour qu'eux aussi fassent ce Shuvah. C'est pour ça que je vous ai dit que ça fait que 26 jours que j'ai fait teshuvah. Parce que je sais que c'est ça le but. Il faut prier pour le peuple d'Israël vraiment pour que... Avec le sourd nefesh. Tout celui qui fait cette demi-heure-là, il peut déjà... témoigner sur lui-même que moi, je ne n'empêche pas la venue du Mashiach. Moi, une demi-heure par jour, j'ai Avat Israël. Et j'ai l'amour gratuit du prochain. Alors, Rav, les filles, je t'aime, sur ce que vous dites, si cette partie-là qui est connectée à la Torah, elle fait teshuvah, ça va être Mashpia sur ceux qui sont laïcs et même sur les nations. Zomer, Shemi, Im Arshav, et Achelek, Shalam Israël, Shemi Chubarim, la Torah, Imem, Bemet, Yerzo, Bitshuvah, Beavat Hinam, Beze. Azei Ashlacha, כאילו, לחילונים ול... החילונים יחזרו בתשובה מיד. Les laïcs, ils vont faire תשובה tout de suite. Ceux qui ne pratiquent pas en voyant. בגלל שהם יראו, כאילו, עכשיו, בטח, יבוא ששם ישראל, וגם... ברגע ש... בטח, יראו... איך מכבדים אותם, ואוהבים אותם. Ils vont voir comment on va les honorer, comment on va les aimer. Ils vont voir maintenant un vrai amour comme ça, ça va les rapprocher tout de suite. בעזרת השם. אז תודה רבה. Alors, quelqu'un maintenant qui pose une question sur Shalom Bait, Itbodedut. Shalom Rav, j'ai pris sur moi de faire Itbodedut une heure par jour pour mon Shalom Bait. Mishomer Shekibel al Atzmo, la Satsha Itbodedut kol yom Shalom Bait Shalom. Zem Samer. Très très bien. Très très bien. Car nous sommes à la limite du divorce. Kianachnu Bagvul Shala Girushin. C'est difficile de m'y tenir, caché l'île à mode baiser, surtout que depuis que j'ai commencé la situation empirée, qui est la mrote, qui, archav yoter, yoter caché, l'ifne shitralti, zenia, yoter caché à matzav idarder. Merci pour vos conseils, toda la etzot shelachem. Continuez. C'est juste un test. C'est juste une épreuve que vous passez. On veut voir d'en haut si vraiment vous avez un amour pour votre femme, si c'est un amour véritable ou pas. Renforcez-vous, continuez. Et étudiez le livre Jardin de la paix. Shalom Rav, que je suis très attaché à Rabbeinu, à vous et à vos livres. Je voulais savoir quel est votre avis sur le Rav Israël Dov au dessert. Je voulais savoir quel est votre avis sur le Rav Israël Dov au dessert.
Rav Israël Dov Odesser, est-il véritablement, comme certains le disent, le dernier élève authentique, Haim ou Behemet, comme chez Kaelou Omrim, chez Zewa, Talmid, à Charon, à Amiti, chez le Rabbeinu, devons-nous croire dans le Pétek, Haim la Amin ba Pétek, et le diffuser à tout le monde, Vela Fit Otolechol Aolam? Je précise que moi-même, je vais souvent Oman, Animadgi, Shani, Batmi Olech, Arbe Parmim, Le Oman, et j'ai du mal à me positionner, Vanilo, Yoda, Bidouke, Chlamot, ba, Shalot, Elou, je vois trop de groupes différents, Niroé, Yoter Midai, Katim, Meshonim, quatre kacha avec quatre kacha, avec chacun sa façon de parler, et que le chad, et chaud, t'as derrière le barimat, chez la tzadik. Au final, on s'y perd un peu, Vébassof, Anartouk, Ani, peut-être, l'Oedaech. Merci de l'éclairer. Zasiba, Spigash, Ani Gamke, Raiti. Mifresh, Sati, Hati Shadow, Raiti, Mae, Mahlokot, Kitot, Afilu, Lomdib Torah, Serhinam. Moi aussi j'ai vu ce que vous avez vu, qu'il y avait des groupes et qu'il y avait des controverses les uns contre les autres, et les uns qui se... Et je me suis dit moi aussi qu'il n'y a pas de solution, avant de parler de cette demi-heure pour l'âme d'Israël, prier pour l'amour d'Israël, prier pour que... J'ai vu qu'il n'y a pas de solution. C'est pour ça qu'on prie maintenant au maître du monde, faire tchouba à tout le monde, qu'il n'y ait plus toute cette discorde. Tout le monde. Tout le monde. Everybody. Je suis content de votre question parce que au contraire ça montre bien. Avant que j'ai reçu ce conseil là d'en haut, du ciel, et en particulier que je connais cette Gemara là qui parle de ça, c'était vraiment le désespoir véritable. Il y a du lachon de la médisance, on les en parle sur les autres. Et en plus, il y a aujourd'hui, en plus des fautes qu'il y avait à l'époque, la destruction du Deuxième Métamigdash, il y a en plus d'autres fautes qui sont rajoutées. Il n'y avait pas la débauche au niveau des yeux comme il y a aujourd'hui. C'est pire, c'est un garoua. Et le lachon Ken, il m'a collé. עם הוואטסאפ, לכן אני אמר לכם, שזה אני אומר, כל אחד חייב לעשות את התשעה הזאת. Justement, donc aujourd'hui, il y a des fautes qui sont comme un milliard de fois pire qu'avant. אין משהו אחר. C'est pour ça qu'aujourd'hui, chacun est obligé de faire cette demi-heure-là. Il n'y a pas d'autre solution. גם קבאים ביקשו ממני, שאני אעשה כנס של כל הרבנים. On m'a demandé plusieurs fois à moi de faire un rassemblement de tous les rabbanim. לא יודע איך לצחוק. Je ne sais pas comment rigoler de ça. Il y a tellement de controverses. J'ai essayé de faire quelque chose, on m'a dit tout de suite, si eux ils viennent, nous on vient pas. Si eux... Là, dans les semaines qui sont passées, la dernière semaine, j'ai essayé là, d'organiser quelque chose. On a dit quoi? Si ils viennent, on vient pas. J'ai dit, il y a que la demi-heure. Mon Dieu, pitié de Dieu, peuple d'Israël. Fais revenir tout le monde, que tout le monde s'aime. Que tout le monde s'aime, qu'il y ait un amour gratuit, qu'il n'y ait plus de controverses. Tout le monde. Mais celui qui a un peu de cœur, il est obligé de faire cette démarche. Et je dis, un maître du monde, Hachem, il n'y a pas d'autre solution. La situation du peuple d'Israël, elle est très difficile. Et on fait notre demi-heure. Nous, on fait notre demi-heure. Et on demande à Hachem, mon Dieu, fais revenir de Betchouba tous les peuples d'Israël. Qu'ils reviennent avec une repartir complète sans souffrance. Qu'ils étudient les livres de Rabbi Nachman. Qu'ils aient une émouna parfaite. Qu'ils fassent tous les jours leur d'Ibbedout. Leur d'Ibbedout comme il faut, comme il se doit. Je prie sur eux qu'ils reçoivent. C'est exactement votre question, c'est exactement la situation actuelle. Qu'est-ce que vous voulez faire? Sur le tombeau de Rabbi Nachman,
Quelle haine il y a là-bas. Comment ils nous détestent là-bas. sur le tombeau même de Rabbeinu, à l'endroit même du tombeau de Rabbeinu, de Rabbi Nachman. Je ne peux pas vous raconter. Sur le tombeau même, en étant sur le tombeau même présent, là, c'est le tzaddik qui est présent avec Doucha, là-bas ce qui s'est passé. Ramani Raïti, Raïti de Farim. Qu'est-ce qu'on peut faire? On prie pas sur les gens laïcs loin qui sont loin de tout, les pauvres ils ont rien reçu, on leur a pas appris, ils ont pas conscience. On prie pas non plus que pour les orthodoxes ou que pour les datis, les oumis ou les gens qui sont ou les orthodoxes ou les chassidim, on prie pas pour on prie même pour les chassidim de Breslev qui sont pires que tout au final. Dans le sujet de la controverse, c'est le pire, c'est l'endroit le pire, c'est là-bas. Donc on prie pour tout le monde. Sans cette prière-là, depuis longtemps, j'aurais été désespéré. Mais j'ai l'espoir et la foi que si j'arrive à engager combien beaucoup de personnes et qui chaque jour des milliers d'heures de gens qui prient pour que le peuple d'Israël fasse une teshuvah chez les mains, qui s'éloignent de ces controverses et tout ça. En ça, j'ai la foi. C'est pourquoi je demande à tout le monde d'envoyer vos noms et de vous engager dans cette armée. Et que tout le monde se renforce dans ça. De faire cette demi-heure-là, que tout le monde a Avat Israël, Avat Rinam, un amour gratuit. Ah, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem, Gounarab. Ça m'a réveillé cette dernière question. Bon, évidemment, je le dis ça comme ça, donc évidemment que ça sert à rien de rentrer en controverse ou en discussion avec ces gens, avec de rentrer dans une kamouvan chez Mima Sharav Omer, en inyan bichlal likanes bemachloktot, les nasot, la sbir, la nashiv, rien, juste prier, c'est tout, ça sert à rien, mais miser à kol ipol, va kol... Et du ciel, ils vont prendre en pitié tout le monde, Israël, encore une prière, du ciel, on va être pris en pitié, et Bémet, ok. Alors, quelqu'un demande, ici, nous avons entendu parler de faire 7 tikkun haklali par jour pour la Géoula. Nous conseillez-vous de le faire? Ashamanu shetzer klasot sheva parim tikkun haklali beyom la Géoula. Aim arav miyetz la sot adze. Alors, je ne peux pas parler de ça, parce que si je parle de ça, je parle de quelqu'un, je commence à parler de quelqu'un, et ça va être encore d'autres controverses, d'autres discordes, d'autres trucs. Lui il a dit ça sur moi maintenant quoi. Quand la vache est bon, ok, t'as dit non, t'as même. Moi, toute chose où il peut y avoir cette controverse, moi je veux pas en parler, je veux pas y être mêlé. C'est évident que c'est quelque chose de très grand de faire cette phrase du Kali, c'est évident. De commencer à rentrer maintenant, dire qui a dit de faire ça, et pourquoi il a dit de faire ça, et pourquoi c'était pas le 10, c'est pas 20, et pas. Tav. Oh, y'a. Ah, ok. Alors, on a une bonne nouvelle, mamash. Arshav Shano Bessora Nifla. Il y a. Bon. Tout le monde est obligé d'étudier la Torah. Il y a des gens, bien qu'ils se battent pour étudier, ils ont du mal à sortir beaucoup de temps de limoud, ils aimeraient avoir le mérite d'avoir une étude pleine. Alors maintenant, on a aujourd'hui une solution. On a une solution pour ceux qui aimeraient avoir le mérite d'avoir des heures et des heures à ma putain, mais Michel Rotze, Gloria Khol Vorotze. Nos maîtres nous bénis, nous ont enseigné. Il y a le principe de
Issachar et Zevulun. Grâce à Dieu, dans la Yeshiva, on a des avrechim, des étudiants en Torah mariés, des bahurim, des jeunes hommes, pas encore mariés, qui étudient toute la journée. Des avrechim qui étudient toute la journée. Et celui maintenant qui subventionne, qui finance, qui soutient financièrement un avrech, Hachem, il donne un salaire pour cette personne. Pour l'avrère qui étudie la journée, Hachem lui donne un salaire de manière complète et totale. Et celui maintenant, écoutez bien, celui maintenant qui soutient financièrement cet avrère, Hachem il lui donne comme si lui aussi l'avait étudié toute la journée. Ah, c'est pourquoi on a maintenant la possibilité, le rabbin a mis ça en place. Maintenant, le Rav, il met en place une campagne de Issachar Zevulun, justement, pour avoir un contrat. Issachar Zevulun, le même type de contrat avec l'Avrechim, la Yeshiva du Rav. Et vous pouvez maintenant vous y associer. Et que vous avez, pour vous associer, pour avoir le Zchout, que vous aussi vous étudiez la Torah. Et même l'avraire qui étudie la Torah, il va recevoir le nom de celui qui le subventionne, qui le finance. Il va prier pour lui tous les jours. Il n'y a pas de niveau aussi grand, il n'y a pas de niveau plus grand que de soutenir la Torah et de vraiment lui. Même les femmes peuvent faire sérieusement d'arabe, il dit bien sûr. Et une femme, elle peut s'associer à ça et dire que le mérite de cette étude, c'est pour son mari ou pour ses enfants, ou pour la ninim, ou pour ses petits-enfants. Donc c'est une grande chose. Donc vous attachez, normalement vous allez avoir, en bas de l'écran, vous avez un numéro de téléphone qui apparaît, et quand vous avez le numéro pour la France, vous avez le numéro pour Israël, vous avez, voilà, vous pouvez aussi évidemment faire des demandes via le site internet, via la page Facebook, voilà, vous pouvez vous y associer facilement, ils vous répondront, vous serez répondu rapidement. Donc voilà, vous avez un trou de pouvoir vous associer maintenant à cette institution et d'avoir ces mérites-là. Alors voilà, allez-y, foncez, Hachem vous aide. C'est très important pour nous. Je remercie Hachem. Je remercie Hachem qui m'a donné de permis d'avoir ce conseil concret qui s'appelle Avat Israël. Et maintenant, on veut au final, il y a un conseil concret. Pour avoir Avat Israël. Qui s'appelle aujourd'hui un conseil qui est vraiment concret, qui s'appelle l'amour gratuit. Chacun est parmi. Et c'est vraiment le tikkun, la réparation de la haine gratuite qu'on est en train de vivre depuis des années. Donc on a ça. Donc vraiment, chacun diffusez, investissez-vous, vraiment prenez ça à cœur, faites partie de cette chaîne, associez-vous au Rav pleinement, relayez-vous dans tous vos réseaux et martelez tous les jours, faites tout ce qui est en votre pouvoir, qu'on ramène la Géoula rapidement. Bézrat Hachem. Non, c'est... Oulai, Niazbé Naem, et... C'est... Il y a un non-juif qui est parti voir Hillel HaZaken, Hillel l'Ancien, il lui a demandé « Enseigne-moi toute la Torah alors que je me tiens encore sur un seul pied. » Il a dit « Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ce que tu détestes qu'on te fasse, ne fais pas ton prochain. » Qu'est-ce qu'il a répondu? Donc on voit qu'il a répondu « Les relations entre l'homme et son prochain. » Que le but de la Torah, c'est la relation entre l'homme et son prochain. Et il a dit, pour que maintenant tu accomplisses ça, va étudier la Torah.
והילל הזקן, שהוא כתוב בגמרא הקדושה, היה זמן שהשתקעה תורה מישראל, והילל ייסד את כל התורה. Et il y a eu un moment où on raconte du temps d'Hillel Zaken que la Torah d'Israël elle s'est oubliée, la Torah s'est oubliée, et que Hillel c'est lui qui a refondé toute la Torah. Et il se trouve donc que toute notre Torah orale qu'on a reçue, c'est qui? C'est ça vient d'Hillel Zaken. Et de ses élèves. Tous les Tanaïm. אז יוצא ש... שהוא התורה שבעל פה, שמסביר לנו שהתכלית זה מדבר בלו. Donc il se trouve que lui, le Zaken, qui représente la Torah orale, nous explique que le but de la Torah, c'est l'homme et son prochain, les relations entre son prochain. לכן הלל כותב בפרקי אבות. C'est pourquoi הלל écrit donc dans le Maxime des Pères. ש... כותב שהבאם תלמידיו של אהרון. Il nous dit, soyez, faites partie des élèves d'Aaron. D'aimer la paix, de poursuivre la paix, et d'aimer les créatures, et d'aimer les créatures et de les rapprocher de la Torah. Il n'a pas dit d'aimer les juifs, il a dit d'aimer les créatures. C'est pourquoi quand sont venus le voir ces non-juifs-là, il les a reçus avec amour, et il leur a enseigné. Et par son mérite, ils se sont convertis. Donc on voit d'ici, qu'est-ce qu'on apprend de là? Que c'est ça le but, c'est ça l'objectif principal, c'est l'âme et son prochain, l'amour entre l'âme et son prochain. Alors Rabbi Akiva, c'était les Zaken, Rabbi Shimon Bar Yochai, ils étaient tous ses élèves. Il y a une voix céleste qui est sortie et qui a dit que la loi, la halakha, elle est tranchée comme Hillel. Pourquoi, encore une fois, il faut que chacun il ait l'amour du prochain avec sacrifice de soi, l'amour gratuit, qu'il arrive à avoir ça en lui. Et on est obligé d'avoir combien de noms en plus, combien de noms que tout le monde s'associe vraiment. Vous voulez qu'au final il y ait un vrai changement dans ce monde? Hachem il nous fait descendre maintenant un conseil. Alors il faut maintenant le faire avec Messirut Nefesh pour le faire, avec don de soi et sacrifice de soi. Alors je bénis tout le monde. Que tout le monde ait le mérite d'avoir l'amour gratuit. Et que tout le monde ait le mérite de faire cette demi-heure-là. Et qu'Hachem il écoute la prière. Et que Hachem il fasse faire Tchouba complète tout le peuple d'Israël. Amen. Amen. Donc voilà, vous savez ce qu'il me reste à faire. Je vous dis à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Chazak, vilit chazak.